c'est quelqu'un. Ils m'ont connu. Tu veux que je te parle? Descends et il faut que ça fasse une porte ici. Passe-le. Okay. Je te le laisse. Ouais, c'est bien pour eux. Juste vous placer, ouais. Ça serait bien qu'il y ait deux personnes de ce côté-là et peut-être une autre là. Voilà, bah très bien. Excuse-moi, je sais pas les plumes. Tu peux te mettre de l'autre côté du drapeau sur dans la même position qu'Emma ou un peu. Non, même ici. Voilà, en mode fier avec ton tablier et les coups. Rien là. Je crois que j'allais regarder mieux des BG. Où les gens le regardent plus. Les copains en mode content, genre hé, hey, on fait un jardin, c'est trop cool, regardez-moi. Je peux te montrer ma salade? Comment? Ouais. Ah non, mettez plutôt votre bras tous les deux. Ah, comme ça? Ouais, c'est plus marrant. Ok. Toi comme t'étais tout à l'heure. Voilà. Et nickel, on peut y aller. Ok, super, elle est orange. Donc là, on est le collectif Ibiza et on vient d'installer un potager sur un green de golf. C'est le green du golf de Saint-Germain-en-Laye pour dénoncer le fait que là, en période de sécheresse, pénurie d'eau, etc., les golfs bénéficient d'une dérogation pour pouvoir arroser et notamment les greens. Et là, on voit autour de nous que le green est particulièrement vert alors que tout ce qu'on a traversé jusqu'ici était beaucoup plus sec et beaucoup plus... jaune en fait. Au-delà de ça, nous, notre but, c'est pas ni de saccager le green, ni de dire en fait faut interdire le golf, mais c'est plutôt de poser la question des usages. Et là, on est dans une période où en fait le manque des ressources va s'accentuer. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qui sont limitées? Est-ce qu'on continue d'utiliser toujours plus de ressources pour ceux qui en ont les moyens et tant pis pour les autres et tant pis pour l'avenir? Ou est-ce qu'on réfléchit collectivement à qu'est-ce qu'on fait des quelques ressources qui nous restent? Est-ce que vous attendez une action concrète de la part des autorités avec ce genre d'action? Si oui, lesquelles? Ça participe à un tas d'actions qu'on essaye de, en gros... passer un message, de pointer du doigt les absurdités, de les rendre visibles et concrètes en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les greens sont encore, peuvent encore être arrosés, alors même que les agriculteurs ont énormément de restrictions, et les agricultrices. Et donc oui, en fait, on essaye de faire réagir. On sait que le gouvernement aujourd'hui, eux, ils ont fait le choix cet été, on l'a vu, du statu quo. De se dire, ben non, en fait, on ne régule pas les jets privés, non, on ne va pas essayer de contraindre qui que ce soit. Et on fait comme si c'était exceptionnel. Et notre but, oui, c'est que que les gens s'indignent et peut-être que le gouvernement réagisse après. Mais malheureusement, on a peu d'espoir du côté de notre gouvernement. Ils nous ont bien montré que l'environnement, l'écologie et le dérèglement climatique, c'était pas leur sujet. En fait, je crois qu'il est pas écrit. Ouais, je crois pas. Ah ouais, okay. Bon, c'est biodégradable, je peux laisser. Il y a marqué. C'est moins lourd, hein, sans ouais, la tête. C'est parti. Il y a qui arrive de laisser un petit mot, genre ici, nous avons... Et vous connaissez la pente? Ah oui. Ah, quand même photo. Est-ce que nous, après, on peut... Tu peux continuer à la tripoter, s'il te plaît, Emma? Comment? Tu peux continuer à l'installer bien, ça rendait bien. C'est bon?